Donc, vous avez réussi à rendre le capitaine de votre trésor tracker. Obtenu Aïourage. Obtenu sabre de pirate. Obtenu Aïourage, un véhicule aux armes de tout. Vous avez réussi à rendre le goût. Tenez courant, un bas de crème. Vous continuez ? Oui. Bah, je tenis, vous pouvez ? Oui. Allez, salut tout le monde, c'est Ratisha et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode... Écho ? Pour l'épisode 8 de mon Let's Play 100% sur Hyrule Warriors. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais vraiment super. Et écoutez, je suis content de vous retrouver et cette fois-ci, ce sera la toute dernière vidéo que j'enregistrerai depuis longtemps parce que le tout mettre, ça va prendre un long moment. Donc écoutez, ça va me faire bizarre, mais en tout cas, je vais bien profiter de cette vidéo, de cette toute dernière vidéo depuis un long temps. Donc je scanne les amiibo, rappelez-vous, je vous ai dit à partir des minutes sur SNES. Donc là, j'ai scanné l'amiibo de The Legend of Zelda, donc Zelda. Obtenu Os Massif de Dragon. Une lance taillée dans les os d'un dragon mythique, que seuls ceux au sang draconique peuvent manier. Percer la défense ennemie en utilisant une attaque forte, après une esquive ou l'attaque spéciale. Là c'est spécial fille. Je vous jure, c'est spécial fille. L'amiibo de Rosaline. Donc, en gros, harmonie de Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy. Obtenu Os Massif de Dragon. Are you fucking kidding me? Une lance taillée dans un os de dragon mythique que seul ce haut draconique peut manier. Percer la défense ennemie en utilisant une attaque forte après une esquive ou l'attaque spéciale. Donc, spécial fille toujours avec Shake. Obtenu lyre de la déesse. Ah, une nouvelle. Une lyre qui permet de jouer des mélodies magiques, utiliser l'attaque forte pour l'imprégner d'un élément, puis l'attaque spéciale pour le libérer et lancer des attaques aux effets variés. L'amiibo de Peach. Super Mario, it's me, Mario. Here we go, Mickey. Mettez pas tout dans la tête, tout le passé de lui, mec. T'as bientôt la centaine. Dans la petite galaxie, j'en ai vu des étalons. EPB, je mettrai un fond. Obtenu baguette des sables. Une baguette permettant de manipuler du sable, mais aussi en utilisant plusieurs fois l'attaque spéciale de conduire une locomotive pendant une durée variant selon le niveau de sa jauge. Et le tout dernier niveau scannable aujourd'hui. Vous avez reçu un cadeau amiibo, un rubis. Le petit rubis de l'épisode qui fait plaisir. On va voir chaque fois ça, vous allez voir. Non mais vraiment pas. Bon bah écoutez, vaut mieux un rubis que rien. Vaut mieux prendre une main que le bras. Voilà. On a déjà pris la main, on ira petit par petit vers le bras. Mais doucement. Et oui, c'est comme ça qu'il faut réfléchir les gens. Donc facile, facile. Oui, facile, parfait. Voilà. Pourquoi ils me disent que... Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai encore des badges à mettre? J'ai pas de badge normalement. Parfait, j'ai pas de badge. Allez, comprends pourquoi ça me fait ça alors. Donc écoutez, on va directement aller se rendre sur le volcan d'Ordin en prenant Link pour le récupérer le fameux quart de cœur. Donc on va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Épée à une main. On a quoi comme épée à une main? Étoile 104, on a matériaux rares. Matériaux rares, je pourrais peut-être l'utiliser. Prenez la baguette de feu. Epona, nous avons 80. Oh, what the fuck? Oh, oh putain! Five star! Fucking god! What the fuck? Putain! Oh putain! Je n'ai jamais eu ça dans le jeu. Je vous jure, je n'ai pas jamais eu ça dans le jeu. Même sur Hyrule Warriors of Legend, je n'ai jamais eu ça. Putain! Putain! Vraiment, j'aimerais juste choisir le costume. Parce qu'évidemment, on va y aller en costume. Alors, le type de niveau, ça serait quoi? Non, pas Ocarina of Time, parce que j'ai du mal à voir. Ça vient pas dans l'ambiance. Bon, lui, pas du tout. Link noir, pas du tout. Postier, bah encore pire. Legend of Zelda. Alors, il y en a trois qui peuvent coller.
Celle-là d'Ocarina of Time, celle-là de... Non, la tenue d'entraînement peut beaucoup plus coller au niveau vu que c'est un peu, vous voyez, un peu ambiance roche et tout. Oui, je fonctionne bizarrement. Donc, je vais quand même pas, je vais pas prendre ça, je vais prendre matériaux rares plus parce que je trouve que ça sera beaucoup plus intéressant. Et je préfère prendre Aéorage parce que j'adore les Aéorages. Et au moins, on testera une nouvelle arme, écoutez. Chut, make right. Although the battle had been lost, Impa foresaw Link's importance to the coming war. She bestowed upon him a green tunic, the sign of the legendary hero. Link did not believe himself worthy of the honor, but he was determined to help Impa and her remaining soldiers locate Zelda. Weeks passed. Impa heard a rumor that a handful of soldiers were holding out against the monsters in Faerun Woods. C'est bien, je comprends ce qu'ils disent, donc j'ai même pas besoin de lire les trucs en bas. Link and Impa. The Volcano Island, yeah. Donc, champ de bataille. Alors, nous allons voir les petits soldats. Donc, Impa. Alors, Impa se trouve toujours à côté de moi, le capitaine Dire est toujours là. Ok, la lame, c'est vrai qu'il se trouve ici. Les deux forts, assez important à prendre directement. Alors, situation, pas besoin. Joueur. Skull Tula, on l'a. On l'a obtenu, parfait. Ensuite, on va aller voir juste la situation à mettre en place. Link et Impa arrive à la sortie de la grotte. Donc, Link et Impa est ici, le garder tout en haut. Impa fuit, mais Impa ne fuira jamais. De toute façon, parce qu'elle n'a pas le choix. Parfait. On va commencer. Ah, yeah, the new warrior. Volcano d'Ordain. Yeah, volcano d'Ordain. Allez, go. Oh là là, les amis, ça fait du bien de retoucher au jeu. Je vous jure, ça fait du bien de retoucher au jeu. Et encore, je dois pas le toucher pendant un petit moment. Je vous ferai plus de la connerie, j'enregistrerai plus autant de vidéos. Hein. Attendez. J'enregistrerai minimum 3 vidéos, comme ça moi j'aurai du contenu pour 2 ou 3 jours, et puis voilà quoi. Je ferai plus autant la connerie qu'avant. Oh yeah, les gens. Regardez les matériaux rares. J'obtiens que les matériaux maintenant. C'est vraiment un troll. Hop. Oh là 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 là. Oui. Oui, pas mal. Ouais. Parfait. Ouais, les gens gèrent. On va récupérer le petit matériau des familles parce que c'est hyper important. Ouais, également, on va aller tout simplement battre le chef de poste qui se trouve en haut à gauche. Parce que lui, il commence à nous envoyer de l'armée et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Hey! Et c'est parti! Attendez, on va attendre un peu un petit stock quand même! Et slash! Et bim! 41 de dégâts! Enfin, 41 de KO en tout cas! C'est parti! Donc, là-dessus, là c'est parfait, là c'est parfait! Allez, c'est parti.
on va dire de prendre les deux forts, qui sont très importants d'ailleurs. On va récupérer le matériau qui est sur notre route. Hop. Voilà. Ça fait pas de mal, un peu de l'herbe à déchiqueter. Alors, c'est lui qui est aussi important. Un nouveau chemin a été découvert derrière la paroi, parfait. En fait, au cas où je les lis, les trucs, mais le truc, vu que j'ai tellement de l'action, j'ai pas envie de que vous perdez un peu vos loadfields. Donc, si je commence à lire tout ce qu'il y a, on va en avoir pour 1h30. Je vous le dis clairement. Les vaches, c'est beaucoup plus intéressant à lire que ça. Et je pense que vu que vous êtes également à fond comme moi, je pense que... Eh, hey, mais l'enfoiré. Hop, voilà. Au cas où l'aérage permet de faire quelques petits dégâts autour de nous, et c'est pas fait, c'est parfait ça. On essaye de quand même de gagner un peu de force. Donc là, vous voyez quand même le jeu, il se porte très bien. Voilà le petit matériau des familles. Donc j'espère quand même que pour vous, quand même que cette rentrée scolaire, ben, vous plaira toujours, parce que vu que c'est la dernière vidéo que j'enregistre depuis très longtemps, ben, je me permets quand même de vous le dire. J'espère que cette rentrée scolaire sera très bien passée pour vous. Bah moi j'ai pas de rentrée scolaire, mais j'ai travaillé beaucoup. Mais voilà, donc écoutez. Oh là là. Allez. Et slash. Et bim. Oh putain. Ouh, 65. Are you fucking serious? Are you fucking serious? Ok. Putain, 55 quoi. 55. Hop. Maintenant, on va les enchaîner. Parfait. Le petit matériau, c'est bien, on obtient beaucoup plus de matériaux, je trouve. C'est parfait, un matériau rare. Ouh, tout ce qu'il y a ici. Ouais, l'âme. On va pouvoir avoir l'âme. Yes. Vous avez rejoint le capitaine Hyrule. Et on va faire une astuce. Allez, 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 est-ce que j'aurai le temps? J'aurai le temps. Il est où le chef de poste? Il est où le chef de poste? Il est là. Et voilà. Allez, dis-moi que ça repop. Je fais. Parce que ça, c'est une astuce pour avoir les matériaux, des rubis et de l'expérience. Ce que je fais. Voilà. Regardez comment on les tue là. Voilà. Oh là là, oh là là, c'est parfait. C'est parfait. Allez, hop. On va maintenant tous les défoncer. Mais bien oui, violemment, et même littéralement. Et cette fois-ci, on va les tous les réunir. Tac 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 tac. Donc là, évidemment, c'est un petit lot, mais regardez, c'est pas qu'un petit lot. Bim. 29. Allez, hop. Parfait. On est en train de les défoncer, les gens ne comprennent rien du tout. Donc évidemment le chef de poste va être également pris. Mais ça c'est parfait, c'est ce que je veux en fait. Il faut que le chef de poste soit pris. Comme ça j'ai un matériau de plus, vous voyez. J'ai un matériau de plus. Allez, c'est parti. Allez, hop. Voilà, on enchaîne les combos, hein, de façon très rapide. Et voilà. Et non, je fais pas tout ça aléatoire, les combos et tout que je fais. Au cas où c'est vraiment prévu, hein. Je veux pas me la péter, mais c'est déjà prévu. Hein. Dynasty Warriors, même je vous en ai jamais fait sur la chaîne, je suis hyper très. Vraiment, je suis hyper fort. Hein, donc, ne sous-estimez pas ma force de combattant.
au niveau de ce jeu. Parce qu'au niveau de ce jeu, je suis quand même très doué. Oui, parfait, le chef de poste a été pris. Regardez bien ce qu'on va faire. Regardez bien. Et action. Alors là, l'attaque spéciale va bien faire des dégâts comme il faut. Voilà. Parfait. Putain. Et regardez. La bombe est directement là. Voilà. Le génocide d'Hyrule. Hein, d'ailleurs, dédicace à ceux qui... à la théorie. Et RIP 5 théorie, hein, au passage. Putain, quoi, Didi, Chandidui, qu'est-ce que tu nous fais là, hein? Après Antoine Daniel, après salut les geeks, maintenant celui-là, maintenant toi. Putain, c'est une maladie maintenant. Tu peux pas nous abandonner comme ça, c'est cruel. Yes. Allez, on défonce. Oui. On a défoncé le Lesaphos. Et le niveau supérieur, oh là là. Donc ça fait plus d'attaques. Et je sais pas si je gagne un cœur. 3, 3, 6, 3, 9, 12. Donc j'ai 10 cœurs au total, plus un réceptacle de cœur, plus un cœur gagné au niveau de... Non, alors j'ai pas un cœur de plus normalement. Nickel, on aura bien déballé le terrain là. Oh con, on aura bien tout niqué, on aura tout dévalisé. Ils auront rien compris à leur vie, quoi. Donc là, d'ailleurs, je vais, vu qu'il va y avoir la cinématique, hein, souvenez-vous, je vais directement aller prendre le chef de poste qui se trouve en haut parce que là, je veux pas dire, mais il fait un peu chier lui, et surtout comme ça, on monte dans des matériaux. Allez, go! Le petit matériau, voilà. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on obtient un matériau, ça fait la musique. On dirait à chaque fois qu'on ouvre un coffre. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Parfait, le petit cœur des familles. Tout était prévu, les amis. Et hop, on va directement activate la cinématique. Je sais pas si on aura le temps, en fait, finalement. Bon, bah, tu veux juste la cinématique, puis on va arrêter l'épisode là. Eh, écoutez, on aura bien déballé le terrain. Après, faudrait que j'aille fumer ma petite cigarette des familles. Ah là là. Moi, j'adore dans les théories, c'est que en fait ça se contredit. La cigarette ne tue pas, la cigarette tue. What the fuck? Je sais pas, ça soit des deux, quoi, wesh. Mais bon, c'est intéressant. Non, mais non, je dois pas lire ça. C'est bien, ça me fera également le. Pour l'épisode précédent, ça me fera moins du contenu. C'est impossible. Bah si, c'est possible avec la carte qui, oui. Et voilà. Donc maintenant, vous savez quoi faire. On va tout simplement arrêter l'épisode là. Bon, on a une minute. On a une minute. Alors, tant qu'on y aille là-bas, une minute sera passée. C'est vrai quand même, ça met du temps pour aller là-bas, putain, on va mettre une minute pour aller là-bas, quoi. Non, alors ça, non. Alors là, je vais faire un truc totalement fait exprès. Hop, et cette fois-ci, c'est parti. Oh con, on est en train de faire un carnage.
Allez, le petit dernier. Non. Oui. Allez, pour conclure l'épisode, en beauté. Bim, 217. La... Oh putain, j'allais dire 217 likes, non, 210, putain, je sais pas pourquoi, 217 KO d'un coup là, oh putain, là vraiment, tout le monde a pris cher, tout le monde en a pris pour sa gueule. Ah ben les amis, 20 minutes, épisode fini, fini. Allez, voilà, on va se mettre comme ça, plutôt, voilà, parfait. Mais écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo, donc la prochaine fois on continuera. Bon, je sais pas du tout si on terminera, parce que vu qu'il nous manque encore, voilà, il nous manque encore quand même quelques chemins à faire. On a déjà ici, ça va nous prendre bien 5 minutes de l'épisode, peut-être 5 minutes quand même. Même peut-être moins 3 minutes, peut-être 3 à 5 minutes. Après on va monter en haut, le temps de monter tout en haut déjà, ça va me prendre 5 minutes. Prendre tout ça, enfin ouais non, en fait je pense pas qu'on terminera la prochaine fois. Mais en tout cas, on aura bien avancé. Donc j'espère que cette vidéo les amis, ça vous aura plu. Ça sera la dernière grande vidéo, enfin ça sera la dernière vidéo que je tournerai pas avant longtemps. Mais quand je dis longtemps, c'est longtemps quoi. Ça sera, ouais, ça sera dans je sais pas quoi, combien de temps. Mais oui, donc ça sera dans longtemps en tout cas. Ça sera vraiment, parce que le temps de tout mettre. Donc en tout cas j'espère que les amis, ça va bien se passer. Vu que ça fait longtemps que je vais pas filmer, ben j'espère que les prochains EPB, ben les futurs EPB, parce que le temps de tout mettre, peut-être quelques autres EPB et XPB sortiront. Donc j'espère qu'ils vous plairont. En vous remerciant d'avance, ne vous inquiétez pas, j'arrête pas ma chaîne hein, pour les gens qui. Non, au cas où je vous dis quand même, vu que je vais pas filmer pendant un longtemps le temps de tout mettre. Parce que j'ai fait le con, j'ai filmé trop de Zelda Breath of the Wild. Et bon voilà, donc en tout cas, je vous en remercie d'avoir suivi Skycy. Et puis l'aventure est continue, bien entendu, l'aventure continue pendant longtemps, même infiniment. Et on se dit ben dans 2-3 mois, dans peut-être 2-3 mois, bon, peut-être un petit peu plus, on verra. Mais déjà dans bien 2-3 mois, parce que ça m'étonnerait que je peux vous uploader tout ça en un mois, c'est pas possible. Donc je vous dis bien dans 2-3 mois pour de prochaines vidéos. Normalement Mario Odyssey sortira, donc vous aurez quand même une petite vidéo de Mario Odyssey. Ouais, mais une seule vidéo, le temps de, parce que sinon ça va pas le faire. J'ai tourné assez de Mario pour pouvoir vous mettre du Mario entre temps, normalement. Donc voilà, on verra. On verra si Mario y en a assez. Mais en tout cas, je vais bien vous placer les épisodes de Zelda et tout bien comme il faut. Et je crois que c'est tout. Ça va être un épisode également assez émouvant parce que je viens de, voilà, on sait pas, peut-être dans 2-3 mois on sera à 100 000 abonnés, au cas où la vidéo 1 an de la chaîne, la vidéo 1 an de la chaîne, je sais pas quoi vous faire comme vidéo, donc je pense que ce sera juste un remerciement, ce sera juste peut-être 1 an mais sur une vidéo, par exemple, en gros il y aura un let's play, enfin par exemple un épisode un petit peu plus long que la moyenne. Peut-être 30 minutes de gameplay, par exemple, pour fêter les 1 an. Ça sera pas mal, déjà. Et je crois que ce sera tout, quoi. Je suis désolé, les gens, peut-être pour vous, vous croirez que c'est la dernière vidéo. C'est pas la dernière vidéo, mais en tout cas, c'est la dernière vidéo que je filme pendant très longtemps. Donc, moi, c'est un petit peu émouvant. Je suis désolé, les amis, j'ai un petit peu émouvant. Parce que Mario Odyssey, hein, limite. Parce que Mario Odyssey sort le 27 octobre, je crois bien. Donc jusqu'au 27 octobre, je ne filmerai pas. Donc c'est quand même long, hein, c'est quand même loin, long et tout. Mais voilà, donc il faudra faire quand même ça, et puis ça marchera comme ça, et puis voilà, ce sera pas autrement. En espérant que vous apprécierez mes vidéos tout de même, et je vous dis bientôt, à ciao tout le monde. À bientôt pour vous, enfin dans quelques jours pour les personnes qui regardent actuellement cette vidéo. Et puis, moi, à l'heure actuellement où je filme, je vous dis bah, dans quelques mois. Hein, dans un mois et demi pour l'épisode 1 de Super Mario Odyssey. Après, on verra s'il y a assez de Mario qui est sur la chaîne. Enfin, je veux dire, parce que j'ai tourné très peu de vidéos Mario aujourd'hui. Je me suis dit, est-ce que peut-être il y en aura assez avec les Zelda. On verra ça. Peut-être il faut que je tourne du Mario entre-temps, on ne sait pas. Mais voilà. Donc, en tout cas, je vous dis au revoir et je vous dis dans un ou deux mois. Allez, c'était Rentishai. Bisous et à la prochaine. Ciao tout le monde.
Over.